Salut tout le monde, c'est Kabando et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Puzzle et Dragon Super Mario Bros Edition, dans lequel on va s'attaquer au monde 7, le monde du volcan, donc un monde qui normalement pour moi est le dernier monde des jeux Mario, mais pas cette fois. Donc on verra ce que ça nous réserve, enfin ce que le dernier monde nous réserve réellement. Enfin ça on va le voir plus tard. Alors pour commencer, je voudrais juste poser la question du jour. Attendez, on va quand même rentrer dans ce niveau, par contre malheureusement j'ai une équipe d'eau qui est très mauvaise. Et quelles que soient mes équipes... Attendez, là c'est un peu mieux. Là c'est pas mal en fait. Ça va, il faudrait que j'ai quelqu'un qui augmente l'eau derrière lui. Eau, lumière et ténèbres. Malheureusement, il n'y a pas d'eau, lumière et ténèbres. 800. Ouais, mais... Bon, on va partir avec ça, non ? On resterait avec lui pour essayer de faire les combos de temps en temps. Feu, bois, ténèbres. Ouais, ça vaut le coup. On a d'autres trucs qui transforment en bois en plus, donc allez, on va y aller, ok. Donc la question du jour est une question de Yojimbo7x. Tu as un pseudo assez compliqué, mais bon, j'ai réussi à le prononcer. Oh. Donc c'est une question par contre très pertinente. Cette question, c'est en gros... Est-ce que voir ce jeu, Puzzle et Dragon Super Mario Bros Edition, vous a donné envie, d'une manière ou d'une autre, de jouer à Puzzle et Dragon normal, la version mobile qui existe depuis longtemps? Parce que effectivement, il a laissé un commentaire très pertinent sur ma chaîne qui disait que en fait, à l'origine, ce jeu était quand même sorti pour faire la promotion de Puzzle et Dragon. La version mobile en Occident, parce que même si ça marche bien au Japon, ça marche... Enfin, j'ai pas l'impression que ça marche autant en Europe. Et donc voilà, c'était pour voir, je pense, tâter un peu le terrain et voir si le jeu allait marcher aussi et si ça pouvait attirer du public. Et donc justement, voilà, sachez quand même que le jeu Puzzle et Dragon sur mobile est totalement gratuit. C'est un free-to-play, donc vous pouvez sans problème récupérer une version... sur votre iPhone. Je crois que pour l'Android c'est plus compliqué, mais sur iPhone, en tant que français, vous pouvez trouver Puzzle et Dragon sur l'App Store, il n'y a aucun problème. Donc comme ça vous pourrez avancer un peu gratuitement. Bon, c'est pas les monstres de Mario, mais c'est des monstres classe. Moi je les aime bien aussi, enfin ils sont pas aussi classe on va dire, mais ils sont pas mal quand même. Alors là par contre on arrive clairement au passage un peu plus difficile, parce que là il y a tous ceux qu'on n'aime pas autour. Oh, mais beau combo, hein. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on en bute un? Et on en bute pas deux, malheureusement. Bon, pas loin, pas loin, pas lien de lumière. Bon, c'est pas grave. Garde du scarabée, première fois que je vois ça. Non, non, c'est peut-être pas la première fois, mais à chaque fois je crois que je réagis de la même façon. Parfait. Petit combo. Oh bon, c'est pas la peine de faire un combo comme ça, juste... Wouah, c'est bon, stop. C'est pas la peine de faire un combo x7 pour un pauvre parabole... Bah, pour un pauvre bruyant sec dont il reste que une mini-jauge. Alors, avançons. Donc là, c'est un Koopa rouge, je crois, qu'on a récupéré. Bon, les niveaux s'annoncent quand même beaucoup moins faciles qu'avant. Hein. Mais c'est normal. On arrive à la fin. Il faut quand même qu'à un moment, la difficulté arrive, même si c'est pas comme s'il y avait eu aucune difficulté du jeu, hein. Loin de là. Là, par contre, il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive, et voilà, parfait. Oh! Ça continue! Eh, stop! Ouais, un combo de 9, c'est ce qui doit m'arriver plus tard. Eh, bah cool. Bon, là, en ce moment, il y a Aculiki qui joue dans l'autre pièce. Oh, première fois qu'on voit des plantes piranhas de feu, même si j'en ai déjà capturé une inconsciemment. Donc, il y a Aculiki qui est en train de jouer à Splatoon, et il rage. Il rage beaucoup. Apparemment, il joue en ranked, en fait, enfin, en match pro. Et en premier lieu, en fait, il avait pas mal... Enfin, il a gagné son premier match, son deuxième match, et après, ils ont tous perdu. Tous, sans aucune exception. Et là, depuis ce moment, bah, il a perdu tous ses matchs, donc il est repassé en ses moins, et il continue de perdre ses matchs, quelle que soit l'arme qu'il prend, quelle que soit... Donc il est un peu dégoûté, hein, je pense qu'on peut le comprendre.
Donc un peu de soutien à Kuliki. Laissez-lui un message sur Twitter si vous en avez l'occasion. Hein. Enfin, son Twitter, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Akuliki. Il n'y a pas de mystère. Alors, est-ce qu'on va se débarrasser de cette plante de piranha de feu? Enfin, de Pierrot Piranha, je sais plus trop comment ils l'ont appelé. Ah, c'est vrai qu'elle a une espèce de résistance chelou qui fait qu'elle regagne des vies quand je l'attaque avec un certain type. Ah, mince. Ah oui, si, c'est bon. Okay. Je sais pas quel type c'est, donc j'attaque avec tout. Mais en fait, c'est plus contre-productif qu'autre chose, je crois. C'est l'eau qui lui redonne des vies, non? Non, c'est le feu. Ok, j'en sais rien. Bref, alors, j'aurais dû faire gaffe, en fait. Parce que là, le souci, c'est que je lui fais des attaques que je devrais pas. Est-ce que je vais le tuer ou pas? Bah non. Au tour prochain. Oh! 6000 points de vie! C'est la première fois que je me fais attaquer par ce truc, mais ça déconne pas, hein. Vraiment que ça n'arrive pas souvent. Wow, beau petit combo pour regagner un peu toutes les vies qu'elle m'a fait perdre. Eh ben oui, on regagne tout. Plutôt cool. Bon, salut, bye bye la piranha. J'aurais bien voulu la recapturer, quoique non. Non, je crois qu'elle évolue en rien d'autre. Il n'y avait pas le choix, c'était forcément Pyro Piranha. D'ailleurs, c'est bizarre que la plante piranha tout court ne se transforme pas en Pyro Piranha. Peut-être que si, j'ai jamais regardé. Alors, bon, bien. Là, toujours la même chose. Ah, mais Yoshi et Mario ont leur attaque de chargée. Faut que je l'utilise. Enfin, j'aurais dû l'utiliser plus tôt. Lien de lumière, bah vas-y, t'inquiète, il n'y en a qu'un seul, alors tu peux t'amuser. Alors là, par contre, pour le coup, c'est là que c'est plutôt utile de pouvoir faire ça. Parce que là, justement, je vais pouvoir me débarrasser d'eux, alors que sans ça, elle me gênait un peu, on va dire. Ah mince, il va me rester deux... Voilà, il me reste deux... Quoi, ça suffit pas? Ah si, ouf. Il me reste deux bois qui traînent, et dont je pourrais pas me servir pour le moment. Oh, Bloops et son petit passent niveau 11. D'ailleurs, je vais les évoluer, je pense, si je peux. Enfin, les transformer comme ça, la prochaine fois que je tomberai sur ces matchs. Enfin, une plus attaque des alliés par 1,5, oui, réduit TPV à 1, c'est nul. Est-ce que je dis ça? Non. Je vais certainement mourir, mais je dois peut-être garder mon attaque pour le boss. C'est même pas peut-être, en fait. C'est carrément obligatoire. Sans ça, ce serait vraiment mauvais. Lui, oui. Allez, tu le... Quoi? Ah ouais. Je déconne pas. Et qu'est-ce qu'il fait déjà, Bloops et Chip Chip? Hein? Ok, si tu veux. Bloops et Chip Chip, une super actuelle des alliés d'éléments d'eau par deux pour un tour. Donc c'est cool, ça. C'est cool. Est-ce que je vais réussir à attaquer comme il faut? Ok. Ouais, bien. Ah, malheureusement, le combo s'arrête ici. Ah, c'est tout. Bon, je vais peut-être y passer, là. Mais c'est pas grave si on perd déjà une vie. Élixir de feu, donc ça transforme des trucs en feu, c'est ça? Ok, et c'est tout. Bon, bah on va repasser à lui. Et Mario, il attaque quand? Dans 8 tours. Ouais, donc faut clairement pas que j'utilise Yoshi. Ça m'aurait tenté, mais non. Il y a un autre souci qui se pose, là. C'est ça? Parce que, voilà, au moins je m'en suis débarrassé, mais ils allaient traîner dans un coin. J'ai regagné toutes mes vies? Bon, moi, je vais peut-être pas y passer, finalement, contre ces ennemis. Qu'est-ce qu'il fait? Encore élixir de lumière? Allez, vas-y, je t'en prie. Transforme mes trucs... Comme tu veux. Comme tu veux. Ouais, allez, petit combo. Ok, x6. Enfin, combo. Ouais, non. Oh. Ah, bah oui, tout à l'heure, c'est vrai que j'avais un x2. J'oublie. Bon, est-ce qu'on va peut-être éliminer lui dans ce tour? Ce n'est pas sûr. Hein. Je n'y crois même pas beaucoup, en fait. Pour être tout à fait honnête. Et là, en plus, je suis en train de tout chambouler. Il y avait un truc qui était à peu près correct. Et je l'ai complètement chamboulé. Ok. Là, par contre, si j'ai pas de soin, c'est mort. La dernière fois j'en avais eu, donc c'était cool, mais c'est pas pour autant que ça va se reproduire. Oh, bien! Non, sérieux?
Je fais des super combos, mais c'est carrément le moment où j'en avais besoin. Et en plus, je regagne une vie. Donc là, je vais pas perdre de vie, je vais peut-être me débarrasser des deux. Non mais là, c'est génial. Et voilà, bon, on va arriver à ce boss. Alors, qu'est-ce que ça va être, ce boss? Un Magmarg? Je crois pas qu'il y ait de Magmarg dans ce jeu. Parce que c'est plus les ennemis de Mario que les ennemis de Yoshi. Et Magmarg, c'est quand même plus Yoshi. Oh, des Iris, Scolarex, Iris. Mais c'est une blague. Oh, ok, derrière, j'ai cru que c'était des yeux... Enfin, que c'était des tornades avec des yeux, en fait. Et non, c'est juste des pièces. Bon. Par contre, je suis désolé, mais les niveaux qu'il y a derrière, là, j'ai absolument pas envie de les faire, en vrai. Enfin, je veux dire, genre, c'était un vrai Super Mario Bros. Où on faisait ces niveaux, ce serait trop difficile. Alors, ok. Et pour finir, il y a un truc qu'on peut faire. Non, surtout pas. Et là, on peut faire ça. Parce que, bon, mes PV passent à 1, mais... Oh, il était trop mis. Ouais, j'ai eu peur. J'avais oublié ce que je venais de faire. Donc ouais, mes PV passent à 1, mais bon, c'est pas si grave, puisque de toute façon... voilà, j'ai des combos, puis normalement, je vais tous les tuer à ce tour-là, donc... on s'en fout. Là, je passe à fois 7,5. Puis... Ouais, déjà, il avait pas de défense. C'était multiplié par 7,5, puis remultiplié par 1,5. Donc j'avais toutes mes chances. Là, c'est l'une des rares fois, je pense, où le pouvoir de Bloops et son petit, là, peuvent être utiles. Mais vraiment rare fois, hein, parce que à part ça, je ne vois pas du tout comment et quand ça peut servir. Salut, Copa Rouge. Et qui d'autre? Eh bah, Iris. Bien, bien, bien. Bon, alors, allons voir si on peut évoluer notre Bloops et... Enfin, notre nounou Bloops est petit. Sauvegarde, oui. Et certains m'ont dit d'évoluer mon Yoshi. Ah bah, c'est pareil, ok. Certains m'ont demandé d'évoluer mon Yoshi en Yoshi à elle, mais je ne peux pas. Hein. On ne peut pas évoluer ces Yoshi en Yoshi à elle. On ne peut pas évoluer les leaders, en fait. Les leaders sont fixes. Ils sont dans le jeu, mais on ne peut pas les avoir de cette façon. Faut les débloquer. Alors. Je peux pas? Ah, il faut des champis poison, ok, c'est vrai. Qui j'ai d'autre dans mon équipe? Bah, en fait, tout ce que j'ai dans mon équipe, c'est lui, lui, lui. Sont suffisamment hauts. Qui y a d'autre? Je sais qu'il y a un autre truc dans mon équipe. Ah oui, 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 c'est lui. Bon, bah, on peut rien faire de spécial. Donc, on va juste continuer. Par contre, on a eu aucun fragment d'étoile. Les trucs qui nous permettent d'avoir de l'éveil. Enfin, du pouvoir d'éveil. Bon, et bah, let's go. Ça reste globalement le même niveau. Mais, enfin, c'est pas les mêmes ennemis. Mais c'est les mêmes orbes, donc on va galérer de la même façon, je pense. Allez. On commence par une petite plante pierre, là. Généralement, c'est pas trop un problème. Ouais. Ah bah, ça peut être un petit problème quand on ne leur fait que ça comme dégâts. À partir de ce moment, c'est vrai que ça peut poser un souci. Mince! J'étais tout proche de... Eh, c'est bon. Ok, ouf. J'ai été sauvé. Stop! Ouais, ça suffit. Enfin, quoi que ça suffise, ça peut-être pas le tuer. Si... Eh ben si, ok. Et en plus, ça me donne une fleur de feu, ce qui est cool, parce que je crois que j'en ai pas spécialement besoin, mais bon, tant qu'on y est. On va prendre le passage, hein. Mince, j'avais oublié, ok. Ouf. Ah non. Non, non, les passages, c'est vrai que parfois, on a des trucs qu'on voudrait plutôt pas voir. Ok, ok. Combo, ouais. Ok, combo x6. Même ça, ça lui fait si peu. Bon, en même temps, là, j'ai vraiment une équipe. Quoique j'ai une équipe qui a quand même pas mal de vie. Parce qu'elle est assez bas level, et pourtant, elle a 7000... Enfin, j'ai 7900 PV. Mais c'est vrai qu'elle a pas beaucoup d'attaques. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. On peut pas tout avoir. Mince, ok. Hé ! La chance ! J'ai eu trop de chance, là. Mais par contre, j'aurais bien voulu gagner un peu de vie.
qui va pas tarder à me réattaquer. Et il va pas rigoler. Ah ouais, je fais pas de... Ok. Ah si, c'est bon. Ok. Le hasard a fait les choses à ma place. Ouf, il va pas me tuer sur ce tour. Et voilà, parfait. Bon, est-ce qu'on va rencontrer des craponions d'une couleur qu'on ne connaît pas encore? Les craponions, bon sang. Ah bah si, ok. C'est bon. J'en avais pile le nombre. Oh, une aile magique. Les ailes magiques, c'est censé être des objets rares, et pourtant, c'est au début du jeu, en fait, quand on avait surtout besoin. Enfin, je veux dire, des objets rares dans la saga des Mario. Pas forcément dans ce jeu. Ok. Ah là, je vais faire une sacrée réaction en chaîne. Ah non, ça s'arrête là, bon, bref. Par contre, eux, ils sont sacrément embêtants. Bon, lien de lumière. Et l'autre, il va faire carapace du scarabée, là. Ah, lien de lumière aussi. Bon, c'est bon, bloque-le-moi pendant 4 tours. C'est pas comme si j'en avais besoin. Alors, il y a plusieurs choses. Bah, c'est bon, c'est bon. Avec ce combo, là, je devrais me débarrasser des bruits insectes. Mais pas de la plante Piranha. Bon, au prochain tour. Ça n'aura même pas eu le temps de m'attaquer, je crois. Quoique là, j'ai fait aucun combo. C'est très mauvais. Ouais, si. Ok. J'ai... Ouais, toujours, dans les niveaux où il n'y a que 3 orbes différentes, enfin 4 en comptant les cœurs, j'ai beaucoup de chance, je dois l'admettre. Alors, et quel va être le boss de ce niveau cette fois? Ils vont nous foutre cette fois 2 Scolarex? Deux Scolarex, c'est un bruit insecte. Par contre, mon attaque est absolument pas chargée. Il reste encore 3 tours. C'est énorme. Ça va lui permettre d'ailleurs à lui d'attaquer avant que moi je puisse attaquer. Donc, c'est... Enfin, que je puisse utiliser le coup spécial. Donc, c'est très, très mauvais. Ouais. Bien, bien. Oh non, c'est tout. Et il faut que je bute cet Eris. Le plus vite possible. Bon, si en plus de ça, je peux me débarrasser de l'autre qui allait m'attaquer à ce tour-ci, tant mieux. Voilà. Ok, bien. Bon, allez, là, j'ai un super coup, quand même. Ça lui aura fait perdre aussi que 1-1-1-1-1 et 7 en tout. Allez, le boss. Qu'est-ce que ça peut être, un truc comme ça? Et on n'a pas eu les gros machins verts... Ok, ça va être des frères marteaux. Ok, des frères... voilà, bon, bref. Mais on n'a pas eu encore comme Miss Spike, qui était dans Mario Party. Il était dans Mario Party, pourtant, il est pas dans ce jeu. Chaud. Ouais, ça devrait suffire pour le moment, parce que malheureusement, je peux encore faire l'attaque... Oh. Ah, mince. Je ferai l'attaque de Yoshi au tour prochain. Bon, parce que là, je leur fais quand même pas beaucoup de dégâts, hein. C'est tout? Il fait pas sa pluie de coups? Bon bah encre, c'est quoi? Ah oui, c'est celui qui multiplie par 1,5. C'est peut-être un peu risqué là pour le coup. J'aimerais bien continuer dans ma lignée de ne pas perdre de vie dans cet épisode. Ok. C'est tout, mince. Ouais, j'en ai plein qui attaquent pas, c'est vrai, parce qu'en fait, y a pas d'eau dans cette attaque. Et j'avais pas brisé leur défense. Et là, ça devrait le faire, c'est bon. Là, je pense que je peux tout ébancer, même le truc qui me ramène un PV. Parce que là, quand même, je leur brise leur défense. Putain, à chaque fois, ça me fait peur quand il fait ça. Parce que ça fait genre le bruit, comme si j'allais avoir game over, et je me dis, non, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je me souviens, puis je me dis, ah ouais, non, c'est vrai. Bon, bref, ce n'est rien. Pas la peine de s'inquiéter. C'est tout? Bon, heureusement que j'avais les multiplicateurs, mais c'était vraiment... c'était vraiment pas terrible, là. Et voilà. Bon, et même mon Yoshi augmente de niveau. Sympa. Alors, on va faire un dernier niveau pour cet épisode. Hein. On va avancer... Où est-ce que ça nous mène, tout ça? Il est extrêmement long, ce monde. Je sais pas si vous avez vu la mini-carte. Je crois que je vous l'avais pas montré.
Je vais vous la montrer là. Voilà. C'est juste énorme. Parce que là, on n'est que ici. Donc on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 niveaux. Sans compter le niveau sur lequel je suis. Donc il y a 12 niveaux juste pour arriver à la fin. Ah là, il y a tout. Ok, bon, on va reprendre notre équipe fétiche. Certains, enfin même beaucoup d'entre vous m'ont dit dans les commentaires qu'au final, cette équipe que j'ai là actuellement, eh ben en fait, elle est quasiment parfaite pour le boss final. Il y a encore un truc à changer, on m'a dit. On m'a pas dit lequel, mais apparemment, elle est très bien pour le boss final. Et ben on va commencer par un x7,5, non? Eh ben oui. Bon, pas d'un gros combo, mais c'est quand même cool. j'ai pas vraiment fait exprès. Et là, par contre, je peux rien faire d'intéressant. Et ça réussit même pas à tuer ce truc. Oh non, lien de lumière. Ah là là, c'est vrai. J'avais oublié que j'ai pas la même équipe que dans le niveau précédent. Et que j'ai une équipe qui, elle, par contre, aime pas du tout les liens de lumière. Hein? Bah ouais, j'en ai plus qu'un qui attaque, donc... Clairement, s'il y a un compétent... Ça le fait pas. Bon, allez. Quoi? Je savais pas que j'avais ça. Mince, je croyais que c'était. J'étais en train de déplacer une autre orbe. Ouais. Là, je crois que je vais perdre ma première. Non, peut-être pas. Si, ok, bon. Ouais, de moins 2040. Ok, bon, bah. Tant pis. On a perdu une vie dès le début du niveau, c'est un peu la loose. Mais là, ouais, bon, c'est comme ça. Alors, Mario Time. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec lui tout seul, c'est plus trop un problème. Même si je sais pas trop comment faire non plus. Là, ça lui fait aucun dégât. Mince, ouais. Allez. Aucun multiplicateur, mais au moins, on a plusieurs combos. Et ça fait rien. Et il attaque à tous les tours, hein. C'est vraiment une saloperie. Mince, j'aurais bien voulu faire du bois en plus, mais non. Quoi? Il lui reste un pixel de vie. Bon, ça devrait faire l'affaire. Et il lui restait un pixel de vie, quoi. Voilà, bon, on continue. Oh là là. Et lui qui fait toujours sa frappe... Quoi? Ok, ça s'appelle pas pareil que pour les autres, mais bon. Là, il pourrait y avoir moyen que je fasse un x7,5. Mais non, ça demande quand même beaucoup... Ouais, ça demande un peu... Ah, et bah si, voilà, ok. Je me dis, ça demande un peu trop d'efforts, et bah finalement, c'est fait. Et je vais même pas le tuer malgré le 7,5, ouais. Malheureusement. C'est ça de trop avancer dans Puzzle les Dragons. On se fait vite dépasser. Ok... J'ai pas beaucoup d'autres choix non plus que de faire ça. Il m'attaque dans deux tours. Oh! Oh! Ça me sauve la vie. Ça, plus l'attaque de Mario et Yoshi. Quoique, est-ce que j'utilise l'attaque de Mario et Yoshi? Ce serait quand même un peu du gâchis d'utiliser maintenant, non? Il lui reste plus énormément de vie. Ouais, ce serait du gâchis. Allez. x7,5. Je regagne en plus un peu de vie. J'ai bien fait de pas l'utiliser. Comme ça, là, il va m'attaquer. Mais effectivement, là, il me reste deux tours pour le buter. C'est largement suffisant. Parfait. Et voilà. Salut, le petit Pierrot, frère Pierrot. Alors, avançons. On le prend? Ouais, on le prend. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, des crapognons?
Encore? Pour moi, passage secret égale crapognon, tout le temps. Ouais, j'espère que tu vas pas me tuer quand même là. Ouais, il m'a pas tué, mais il était pas loin. Là, il y a moyen que je le fasse aussi. Ouais, mais c'est encore une fois ultra chaud. Parce que ça. Ouais, ça. Ouais, non. C'était possible, mais. Bon. Est-ce que. J'ai pas trop le choix là en fait. Hein. Parce que là, je vais me faire carrément défoncer. Mince, j'aurais voulu faire un peu plus de combos de vie. C'est pas grave. 3200. Ouais, non, ça lui fait quasiment rien. Oh non, pas plus de coups. Ok, bref. Bon, je vais me venger. Je vais utiliser l'attaque debout Mario. Ouais, continuez. On aura perdu 2 vies dans cet épisode. Malheureusement. Alors, quoique, attendez, je peux faire le truc... je peux le faire. Pas forcément... Ouais, si, si. En plus, pas si difficilement que ça. Bon, allez, le combo s'arrête là. Je peux le refaire ou pas? Non, je peux pas le refaire. Je ne peux pas le refaire. Allez. Ah, c'est vrai que le multiplicateur, c'est qu'à partir du moment où c'est 3 types différents. Donc là, autant dire que je ne lui ai rien fait. Ok. Ah non, oui, ouf. Parfait. Encore une fois, c'est 3 fois rien par rapport à lui. Et il est hors de question qu'il me refasse perdre une autre vie. Allez, allez. Et voilà, ok. Et en plus, il me donne un super ou un normal? Un bloc de lumière normal, bon, c'est pas grave. Alors, élimine 5... Ouais, il n'y en a pas 5. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je me débarrasse d'autres trucs, voilà. Ok, là, maintenant, ça va être bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Juste 50 pièces? J'ai l'impression qu'on me donne des trucs de moins en moins cool dans ces machins. Est-ce que j'utilise? Ouais, j'utilise. J'utilise. Obligé. Parce que là, sinon, le Iris, il va me poser encore plein de soucis. Voilà. Beau combo. Allez, allez, le Iris. Non, mais j'ai brisé sa défense à aucun moment. Mais comment ça se fait? Je ne comprends pas. Voilà, salut. Bon, on remonte. Et alors, quoi comme boss? Spike cette fois? Ou alors 3 frères Pyro? C'est direct le boss en plus, donc tant mieux. Ok, Chompy Pyro. 2 Chompy Pyro qui font des frappes instinctives. Attendez, mais il faut avoir 5000 vies pour survivre. On a moins de 5000 vies, bah on meurt dès le premier tour. Ok. Tout à fait normal. Alors, ah, c'est vrai que j'ai plus le bloops. J'étais en train de chercher justement à avoir mon multiplicateur, mais je n'ai plus le bloops. Mais là, normalement, les champs de pyro, je crois que j'en ai déjà, ouais, j'en ai déjà combattu des champs de pyro. C'est absolument pas quelque chose qui fait peur. Et souffle de Yoshi. Pourquoi souffle? Qu'est-ce qu'il y a de spécial sans souffle? Pourquoi c'est pas sa langue, quelque chose comme ça? Genre ça correspondrait plus à Yoshi, non? Bon, là, y'a rien que j'ai besoin de bouger. Allez. Pour le fun. Les combos se font tout seuls. Ça va pas... Ok. J'ai cru que ça n'allait pas suffire. Vu que ça allait tout doucement. Eh bien, voilà. Bon. On a réussi... Est-ce qu'on arrive? Mais non, on arrive même toujours pas à la tour, hein. Enfin, la tour à la forteresse. Salut, frère Marteau. Donc, je sais pas, je pense que je vais peut-être XP un peu mon équipe pour la prochaine fois, histoire qu'on galère un peu moins. On va voir quel est le thème, quand même, de ce château. Et il y a un œuf rouge au-dessus. Ça veut peut-être dire qu'on débloque le Yoshi rouge, justement. J'avais pas fait gaffe. Attendez, je vais vous montrer. Ok, vous pouvez pas le voir à cause de la bande. Bon, en tout cas, il y avait un œuf rouge au-dessus. Un œuf tout rouge. Bref.
Bon, il y a quand même de la vie là-dedans, donc on va peut-être s'en sortir. Bon, eh bien, on va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !